Des légumes. J'ai pris plein de petits pots pour le petit. Là, il est marqué Biblio, moi je kiffe tout. Genre le carrefour là. Et nous avons des pots comme ça. Moi je vais donner quoi aujourd'hui, mais je pense que je vais commencer par ça. Ça a l'air grave bon. Du moulet de carottes et du riz au jambon. Genre c'est comme ça. Là j'ai pris ça, je pense que je vais même manger parce que c'est trop bon. Je me rappelle avant, mon cousin il en prenait et je passais tout mon temps à travailler. Ouais. C'est le dessert et franchement c'est pas mal. Hein. Nous avons des carottes en tomates. Cabillaud, du poisson, bah du cabillaud en poisson. Et franchement, ça a l'air pas mal. Ça, il l'a déjà goûté, je sais qu'il avait bien aimé. Et à celui-là aussi, que bœuf. Et il avait grave kiffé aussi. Du coup, c'est ça qui va être nouveau pour lui. Et ça aussi. Mais je vais pas lui donner maintenant parce que ça a pas l'air très ouf. Voilà. Il va manger. C'est mon bébé. C'est bon. Oui, c'est bon. Il a fini de manger, du coup on va manger là. À checker du poulet et tout. Voilà. C'est parti, bon appétit. Je vais bien grailler là. T'as peur. Manger tes mains là. Bien comme il faut pour sentir le goût. Le goût de la chose. Donc là il y a mon fils qui dort, mon chéri il est parti à un anniversaire et moi du coup je fais une pause de pépé. Vous vous rappelez, mais je vous avais montré cette perruque que j'ai reçue, je l'avais commandée sur AliExpress. En fait je l'avais jamais mise, donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de la customiser. Un tout petit peu parce que voilà, c'est une frontale 4x4, donc courte comme ça. Je vais la laver et la customiser vite fait. Et je vais la poser avec vous, donc c'est parti. Là, j'ai terminé de laver ma perruque, j'ai mis mon bonnet, je vais aller me maquiller. En vrai, je vous ai pas dit, je compte faire un haul, c'est pour ça que je me maquille tout ça, nanana, et faire quelques photos histoire de revenir sur Instagram, voilà. Donc voilà, c'est parti. Place au maquillage. Sans démarcation, et maintenant je vais enlever la pince. Je vais me faire mes cheveux. Voilà. Il y a des côtés qui sont un peu mouillés. Oh, j'aime trop. Elle est trop belle, la perruque. Du coup, là, les gars, j'ai terminé. Mon fils vient de se réveiller. Je vais lui donner à manger et essayer de faire mon haul, sinon je vais jamais le faire. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Du coup les gars, j'ai fini de tourner la vidéo. Je vous ai fait votre haul. Du coup je vous ai fait un haul spécial top et robe à sauce qui va sortir dans la semaine, je crois mardi ou mercredi, bien après, bien avant ce vlog là. Je me suis commandé à manger. Mon chéri il est toujours pas rentré de la nive. Il est 21h30. Il a dit qu'il rentrerait vers 22h. Le petit dort. Il vient de s'endormir.
La lumière, elle est pas ouf, hein, mais j'ai pas envie d'allumer la ring light pour ça. Ça me crève les yeux, je suis fatiguée. J'ai fait une commande Subway. Du coup, je vais manger ça ce soir. Ensuite, je me fais des pâtes là pour demain midi pour le taf. Et voilà, du coup, j'attends là ma commande et tout. J'ai très faim, mais bon. Donc, j'attends. Je vais descendre prendre ma commande. C'est parti. J'ai trop bien mangé. C'est parti. Trop énorme, wesh. Et le Subway, ils rigolent pas, mais genre ils blaguent vraiment pas avec leur menu. Mais bon. En vrai, j'ai même pas pris de menu, j'ai juste pris le sandwich avec du poulet crusty. Regardez, je regarde quoi, wesh. Ils sont trop bonnes. Je kiffe. Hello les gars, je viens de me réveiller, il est 8h30, j'étais fatiguée, j'ai plus ou moins bien dormi. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? On vient de se réveiller, lui il s'était réveillé à 6h pour prendre son lait, du coup son papa lui a donné. Et moi j'ai pioncé, j'avais trop sommeil. Et du coup, là faut que j'aille prendre ma douche, me brosser les dents, m'habiller et aller au travail. Je commence à 10h30. Non, à 10h. Donc, comme ça, j'ai le temps. Je sais pas si je prends le petit déj, mais je pense que je devrais. Et voilà. Et toi, tu m'as tombé. J'espère que vous avez bien dormi, vous. En tout cas, moi, c'était trop bien. Regardez comment il fait grave beau. Il y a le soleil et tout ça. Un ciel bleu, j'aime bien. Et un monsieur qui veut tomber parce qu'il fait des choses. Je vais tourner une machine. Je vais tourner les draps. Comme ça c'est fait. Voilà. Faut bien les fermer. Parce qu'en fait, quand on tournait les draps avec des vêtements, après les vêtements ils rentrent dans les draps. Et c'est nul en fait. Donc du coup, j'ai fermé les draps. Je vais mettre à l'intérieur. D'apprêter mon fils, regardez comme il est beau. Montre ta paire. Montre ta paire. Ah là 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 là, mais qui te veut? Mais qui te veut? C'est bon, moi je me suis préparée, j'en taffe. Parti. Les gars, là, j'ai terminé le taf et tout, je suis rentrée, il était 18h, j'ai pris ma douche directe. Parce qu'en fait, c'était une journée très compliquée, j'ai eu mes ragnagna. Je suis allée acheter des culottes comme ça. Voilà, qu'on a vu la pub 1000 fois et franchement ça marche de ouf et c'est grave confortable. Franchement je suis trop bien, genre c'est pas genre si t'as rien, genre t'as juste une culotte et t'as ton sang qui rentre dedans. Donc franchement je vous le conseille et allez pas vous embêter dans les marques, je sais pas quoi, vous pouvez aller en pharmacie ou sinon moi je l'ai pris là à Auchan. Attends, non c'est pas Auchan. À Carrefour, voilà, je l'ai pris à Carrefour et c'était à 16€ seulement. Et on avait 3 dedans, j'en ai utilisé une, donc il me reste 2 autres. J'en ai mangé à mon fils, j'ai mangé, je vais aller le doucher, lui donner son lait pour qu'il dorme. Et me coucher tout simplement. Donc je vous dis à demain. Nous sommes mardi, il est 9h30, c'est ça? Oui. Il est 9h30, je me suis levée il n'y a pas longtemps, j'ai fait un montage vidéo pour un haul que vous allez avoir bientôt. Je m'apprête à aller au travail, voilà, tout simplement. Là, j'ai un petit jogging et tout froissé avec un haut, un ensemble ou quoi. Mon fils aussi, avec ses petites Air Force comme ceci, en marron. Voilà, donc je vais faire ma gamelle, mettre mes chaussures et aller au taf en fait. Donc voilà. Bonne journée. Il n'y a rien à dire, hein. J'ai passé une nuit très bizarre parce que j'avais mes règles, vous savez. Donc du coup, Emmanuel était un peu mouvementé. Monsieur nous a réveillé tôt pour manger. Et après, il s'est plus rendormi. Donc voilà. À part ça, tout va bien. Hein. Je vais contre-jour comme ça là.
À part ça, tout va bien. Voilà. Je vais me chausser. Les gars, là, je suis rentrée à la maison. J'ai fini ma journée. Mon chéri va rentrer avec le petit. Et pour conclure cette journée, elle était plutôt mouvementée. Plutôt bien. J'avais grave mal au ventre. Mon fils et mon chéri sont arrivés. Je vais aller les ouvrir. Et mon gosse. Eh. Quoi? Je t'ai retrouvé quelque chose que tu cherchais. Ma carte. Elle était où? Dans la voiture. Jure. Ouais, elle était tombée derrière mon siège. Je savais en plus. Ce matin quand je regardais le siège. Merci. C'est une blague. C'est comme ça qu'on m'accueille. Oui, je veux mon gosse moi. Il dort? Non. Pourquoi il bouge pas? Je sais pas. Il est fatigué ça, elle m'a dit. Hello. Bonjour. 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 Oui. Ça va? Oh. Pas son souci à lui là. Ah bon. On dit bonjour maman. Comment était ta journée? Pas de. Bon, on rentre à la maison. Regardez, il fait quoi? À peine arrivé hein. Il n'a pas dormi, il va te cuire. Ah ah. On peut même pas souffler 2 minutes. Impossible. Il est fatigué parce qu'il paraît, il a même pas fait la sieste. Je suis là, non. C'est ce que je vis tous les jours. T'as fini? Bon, je vais me reposer et à tout à l'heure. Ce soir, on mange du poulet. Du poulet quoi? Escalope milanaise. Avec des pâtes et une sauce aux champignons qui est très délicieuse. Ouais. Donc voilà. On a fait ça au marché. Je vais donner à manger à monsieur. Hein? Miam, 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 miam. Là, mon plat du soir. Bon appétit. On a fini de manger. Là, en train de regarder le match France-Afrique du Sud. Mbappé, il a mis un but, hein. T'as peur. Du coup, là, pour l'instant, la France a un but. C'est beaucoup trop et c'est d'autant plus dommage que on voit... Du coup, je me tape ça dès le matin. Là, c'est moi qui suis malade. Depuis 6 heures, je suis debout et je suis fatiguée. Ma coiffure, elle n'a plus aucun sens. Nous sommes un peu sortis de cette baraque qui va nous rendre fous et folles. Voilà. On va acheter de la viande, du poisson. Des trucs à pouvoir manger en fait, tout simplement. Donc voilà, voilà, voilà. Chaque semaine, il faut faire des courses, c'est énervant. Vivre, c'est cher. Bref, il neige. C'est une blague. Au mois d'avril, il y a un an, jour pour jour, il y avait le soleil. Ce matin, je suis là, je regarde mes snaps et tout. Et là, vous savez, les souvenirs d'il y a un an et tout sur Snap. Je vois quoi? J'étais enceinte. Genre, j'ai oublié que j'étais enceinte. Genre, je sais que j'ai fait un enfant, mais. J'ai oublié que j'étais enceinte, genre c'était trop bizarre. Genre mon petit bidou là il commençait à sortir en avril. Genre vous voyez que j'étais enceinte. Ah là là. Là je croyais que tout me tombait sur la tête. Oh là là les problèmes. Comment je vais lui faire un enfant? Comment je vais l'arriver? Alors que la solution c'était juste que ça y est. Mais bon, confiance en soi frère. Ah là là. La vie bizarre. Hein. Là aujourd'hui je suis maman. L'année prochaine j'aurai quoi? Ça se trouve l'année prochaine j'aurai mon entreprise. Des doigts, ou alors je serais milliardaire. Je serais la prochaine, j'aurai mon deuxième. Et pas maintenant, pas maintenant, jamais. Ben, je rigole, pas maintenant en tout cas. Yeah. Je suis venue pour du poisson et de la viande. Regardez ce que je regarde. Ah là là, tout le temps, moi ça.
Il a l'air trop bien. Oh, il y a un barbecue. Pour notre balcon, ce sera trop bien, wesh. J'aurais pas cru si on me le disait. Regardez, là, il y a un lisseur à 1000 balles. 999. C'est un prank ou quoi? Non mais oh. Wesh. C'est pour lisser les cheveux à qui, Rihanna? Eh ben, les jus que j'ai pris, wesh. J'ai pris grave du poisson. On va à la caisse? T'as trouvé? Ah, du coup, les gars, nous avons terminé les courses. On en a eu. J'en ai eu. Pour... J'en ai eu avec ma carte. Avec ma... Bref, c'est penché. La caméra, elle est grave penchée, en fait. Comme toi, t'es. Ouais, comme toi aussi. T'es penché. J'en ai eu pour 110... Non, 109 euros. J'ai pris que, écoutez bien, que du poisson, genre... Que de la viande comme ça, là. Bon, pour l'instant, je mets tout au frais. Du poisson, le poisson, ouais. Les poissons que j'ai pris, genre j'ai pris du cabillaud, du sol, bref. Pour les personnes qui font poisson. Yannès, on peut parler ici? Oui, c'est possible. J'en ai eu en poisson pour 54 euros, 56 euros. Et les autres, genre j'ai pris du poisson, des boissons. Genre je vais montrer les boissons, ils sont trop bien. Attendez. C'est la première fois que je suis fière d'acheter des boissons. Oui, c'est ça que là? Bah, il y a pris des boissons dedans. J'ai pris du Fanta orange, comme ça. Ensuite, j'ai pris du Fanta, je sais pas pourquoi c'est... Pourquoi c'est bleu le Fanta? C'est quoi? C'est juste la couleur, non? Du coup, j'ai pris du Oasis Pomme, comme ceci. J'ai pris du Bulco, la base des bases. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Bulco, il m'aime pas. Genre vraiment, le Bulco, c'est la vie, c'est la life. Ouais, je fais des conneries, mais ouais, le Bulco... Aïe, je me suis fait mal. J'ai pris du shampoing, voilà, parce que j'aime bien cette merde, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Du Lipton Ice Tea Green, voilà. J'en ai pris deux. J'ai pris du Fanta, comment ça s'appelle déjà? Ça va exotique, mais en gros, c'est de la mangue avec de la passion. Normalement, vous connaissez, genre, comme ça, là. Et bah là, il y a du vin blanc pour les recettes. Du Tropico que je kiffe. Et pour finir, du citron parce que c'est important dans la vie. Ce petit plat en 15 minutes, voilà, du riz, des champignons et du poisson. Il est grave bon, j'ai goûté là. Samedi les gars, et franchement j'ai rien fait de ma matinée, enfin si. On s'est réveillé à 9h, 9h30 par là, même 10h même, 9h40. Même c'est plus tôt. Ça c'est toi, et nous. Bah, bref, oui. Vers 9h45, un truc comme ça, parce que c'était le rendez-vous, il était à 10h. Mm-hmm. Bref, nous sommes réveillés ce samedi matin à 9h45, on a fait du rangement... Dans la chambre, des machines, des trucs du dimanche, quoi, vous voyez. Le samedi, pardon. Mais laisse-moi, toi, le reste avec ton papa. Oh. Tintin. Là, on a mangé, on est posé, en train de regarder la télé, une série. Ça s'appelle Miss Bala. C'est un film. Hein. C'est un film, pardon. Mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop, trop bien. Moi, franchement. Je suis déjà à 47 minutes, c'est une petite pépite. Ouais. Donc si vous avez rien à regarder, rien à regarder, si vous cherchez un film, regardez, vous mettez ça, c'est la tendance, je crois que c'est la troisième tendance en France, je crois, ou deux, c'est plus. En tout cas, c'est grave bien, et sur ce, j'espère que vous allez kiffer ce vlog.
J'ai voulu filmer, je savais très bien que... je savais très bien qu'il n'y avait rien de particulier. Un vlog, c'est pas fait pour sur le... On fait pas un vlog pour seulement montrer la vie active ou les restaurants. Tu peux t'abstenir de tousser. Tu peux t'abstenir de tousser, s'il te plaît. Je rigole. En tout cas, mon fils, il va beaucoup mieux. Dis aux abonnés que tu vas beaucoup mieux. Oui. T'es plus malade. Semaine très sympa. Enfin, très sympa, non. Sauf le fait que mon fils soit malade. Moi, j'ai une migraine. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas vlogué ce matin. J'avais une migraine. Genre, je me suis réveillée avec une migraine de ouf. Et j'ai rien fait en soi à pas faire à manger, regarder la télé. Et je vais recommencer un nouveau vlog. Parce que la semaine prochaine, je pense que... il y aura des pépites. J'ai fait des commandes et tout. Je vais vous montrer comme il faut. Bien faire les choses carrées, t'as capté. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine tout simplement. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.